Allez, retour sur le plateau de KTV avec le faux journal, le faux, l'unique, le vrai faux journal, c'est celui de Kamaru, notre Kamaru international. Salut Kamaru. Salut. La grande forme? Oui. Oui. Aujourd'hui, on va parler de la mairie de Mamoudzou. Oh, tiens, oui. Tiens, on va parler de la PMI. Uh-huh. Uh-huh, oui. On va parler du CMA. C'est sûr. Et on va parler tout de suite des Jeux des Îles pour 2019. Oui, les Jeux des Îles, le Conseil international des Jeux des Îles de l'océan Indien. Je dis bien de l'océan Indien. Attention, ça veut dire qu'apparemment, Mayotte fait partie de l'océan Indien. Donc, ils ont tranché. Ça sera les Comores qui accueilleront, bien sûr, les prochains Jeux en 2019. Mais moi, dans toutes ces histoires, je ne suis pas inquiet en 2019. Parce que d'ici là... Bien sûr, Hakim Ali Saïd sera président des Comores. D'ici là, apparemment, rassurez-moi, on sera des vrais Français à part entière. Et surtout qu'on sera des Européens. Donc, on pourra tous hisser le bleu, blanc, rouge et chanter la Marseillaise. C'est pas faux. Quoi ? Je rêve ? Bah attends, ouais, quand même, je suis sûr que quand même, ça sent un peu la présence qatari quand même. Parce qu'ils nous ont fait croire qu'à Mayotte, on n'a pas des hôtels pour accueillir tout ce beau monde-là. On n'a pas de stade pour bien sûr accueillir ces jeux-là. Et ils veulent nous faire croire que comment tout ça y a. Oui. Il y a tout ça. Oui. Les stades, les machins. Oui. Les hôtels. Ça tout. Sent quand même la présence qatari. C'est un guet-apens qatarien, ça. Hein. Ça, je le sens bien venir. Mais bon, allez, Hakim sera président, on pourra tous y aller. Ou peut-être que même Hakim, quand il sera président là-bas, lui-même, il va nous dire oh, ici, on ne chante pas la Marseillaise, vous n'êtes pas des Français, vous êtes des Comores. Oh non. Allez, on enchaîne avec les PMI. Ça fait toujours débat. Hein, exactement. Les PMI, Jacques Vincent-Henri, qui est revenu vendredi, donc il n'était pas là, et donc il ne pas. Du tout d'accord avec Elamine. Donc, quand on dit protection maternelle infantile, j'entends pas là que Elamine, quand même, convoque les agents et leur fest des enfantillages. C'est vrai qu'on est quand même dans une protection infantile. Là, on ne faut surtout pas toucher aux enfants. On n'est pas à Bruxelles, on n'est pas en Belgique pour toucher les enfants comme ça. Bien sûr. Non, je ne suis. Mais je ne suis pas d'accord du tout. Et la mine, quelle décision il a pour dire bien sûr que les agents n'ont pas le droit de parler à Samuel Bochet. C'est que le conseil général qui n'a pas le droit de dévoiler les choses au conseil à Samuel Bochet. Mais les PMI, ils peuvent bien sûr. Non, donc du coup, c'est vrai, et la mine, voilà, il voulait faire un peu le boss. Mais il y a un autre boss qui est arrivé, surtout que son Jacques. Boss. Voilà, et surtout que Jacques a dit hey, après moi, il y a quand même Zaïdani. Il faut d'abord que ça passe par moi. Hein, je suis le gilet pare-balles. Donc, du coup, c'est vrai. Maintenant, quand on va au PMI, il faut regarder les PMI. La gueule de tous ces PMI, t'as l'impression que tu vas demander le RMI là-bas. S'il vous plaît, regardez mon ventre. Je suis à terre. On n'a pas de thermomètre ici. Oh non. Allez, on termine. C'est horrible. On termine avec la mairie de Mamoudzou. Bravo. Oui. La mairie de Mamoudzou qui a enfin un projet. Un projet qui sort des tiroirs, enfin. Ouais. Ça sent les municipales, hein, ça c'est clair. Peut-être, ouais. On a attendu quand même pendant toute une année à avoir un petit projet. Mmh. Non, là. Et puis, surtout que, bien sûr, ils se sont dit, ça y est, des jeunes à Passamaïti ont chopé un de leurs collègues pour le livrer à la police. Ils se sont dit, tiens, il y a un projet qui est né là. tu penses pas que c'est un bon projet ça? On va les employer. Mais le problème, il est où? C'est que quand les 40 jeunes ou les 50 jeunes qui vont être pris comme ça là, vous allez faire d'eux quand même des balances. Hein, parce que dans le quartier, les mecs vont passer, hé, balance! C'est toi qui m'as balancé que j'ai vendu 100 kilos hier. Hein. Ouais, donc, c'est que des balances qu'ils vont les créer. Hein. Donc, oh, non. Non mais c'est clair, le mec qui était dans son quartier, qui connaît quand même tous les dealers, tous les guetteurs, tous les veilleurs et tout le bordel. Et là, tout d'un coup, il va devenir quelque chose de proximité. Ouais. Alors, écoute, tu m'excuses, mais je vais te balancer demain quand même. D'accord. On était bien avec les balances. Bon, oui, regardez. Les vierges aussi, les sagittaires. Les balances, les vierges, les poissons. Oui, les bouchers aussi. Les jeux des îles. Normalement, on était bien. Bah, ouais. Bien sûr. On avait même une chance de médaille. Oui, peut-être, oui. À savoir, à cause de toi, ouais. Sale gosse. Ouais. Et seulement à cause de toi, pardon. Cette fois-ci, et une fois de plus, on est dans la merde. À la fin de l'année, par rapport au chiffre d'affaires du KTV, de donner 2% au conseil général, parce que le logo conseil général, c'est vendeur. Hein. On c'est clair, à partir du moment où vous paierez vos dettes, je vous rappelle que vous nous devez encore 100 000 euros depuis bientôt 4 ans. Dès que vous respecterez votre parole, il n'y a aucun problème, on donnera 2%. Il n'y a aucun problème, mais déjà payé.